Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois. On va regarder l'annonce de la Title Update 5 en direct. Alors là, je suis en train d'attendre. Normalement, je vous fais un petit timestamp là pour vous montrer parce que là, je vais parler un peu parce que je sais pas si vous avez remarqué. La chaîne elle est un peu vide en ce moment. Après, j'irai parler de 2-3 théories. Sur la title update. Alors déjà, vite fait, la chaîne, désolé, y a rien du tout, je suis malade. Et je peux pas... Alors, il y avait une période où j'étais malade, il y a une période où je pouvais pas parler. Et maintenant, j'ai mes examens qui arrivent, donc j'ai pas le temps. Et en bonus, tiens, Monster Hunter Frontier, qui est impossible à farmer, parce que je suis pas assez bon au jeu, pour le jouer en solo, parce que c'était un MMO à la base. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un vote dans sur ma chaîne là, vous allez voir dans la communauté, j'ai un vote. Vous allez voter pour un des trois jeux Monster Hunter que je peux faire, et je ferai le prochain qui gagne le vote. J'imagine qu'on peut parler de la title update là, parce que là il reste moins de 10 minutes. Alors, Title Update, ce qu'ils ont montré pour cette Title Update, c'était un nouveau dragon ancien et comment s'appelle et un nouveau monstre Risen. Et aussi, ils ont teasé un autre truc, c'était les investigations spéciales. On verra ce que c'est. Là, ils sont en train de repasser les anciennes Title Update, là, en attendant. Les investigations spéciales, ça, on sait pas du tout ce que c'est. On sait qu'il y a des nouveaux talismans et tout. Ça, ils vont sûrement nous le montrer vite fait. On verra. En attendant, on va parler des trucs les plus intéressants, on va dire, entre guillemets. C'est les deux nouveaux monstres. Enfin, soit si étant dit qu'on en a deux. Putain, matez-moi ce connard là. Risen Crimson Govalstrax. Il m'a fait galérer ce monstre. Mais j'ai réussi à le solo. Pardon, je me suis égaré. Donc, je pense que c'est assez. J'ai vu des gens qui disent. Alors, personnellement, je pense que le monstre principal de la Title Update, donc le dragon ancien, ça va être Amatsu. Amatsu Magatsushi, pour ceux qui veulent le nom en entier. On l'a déjà affronté sur la chaîne, sur mon let's play, sur Monster Hunter Portable Third. C'est le dernier épisode, je crois. Non, l'avant-dernier, le dernier épisode, c'était à l'Atrion. Donc, Amatsu, c'était un bon fight. À mon avis, ça va être celui-là. Amatsu, on le demande depuis Monster Hunter Rise. Rise, c'était littéralement le décor parfait pour avoir Amatsu. Et en plus, en bonus, on sait que cette title update, elle va se passer à Kamura. Donc, retour à Monster Hunter, au village de Monster Hunter Rise. À mon avis, c'est 100% Amatsu. J'ai vu des gens qui disaient Fatalis. J'y crois pas du tout, Fatalis, je vais pas vous mentir. Et j'ai vu des gens qui disent qu'Amatsu, ce sera sûrement pas lui. Pour moi, c'est 100% Amatsu, y a pas de doute. Le second monstre, par contre. Le second monstre, par contre, à mon avis, ça va être. Alors, c'est soit Risen, un des deux Risen Monster qu'on peut avoir, c'est les deux qui restent, c'est Shagarumagala. Putain, sérieusement, il passe des trailers de Stories 2. Les gars, Stories 2, il est sorti il y a 2 ans maintenant, je crois, plus. Peut-être que je vous ferai un let's play sur ce jeu. Je l'ai déjà fini tout seul. J'ai une save à 100%. Genre tout le monstre et tous les DLC. Super jeu d'ailleurs. N'hésitez pas à le prendre si vous voulez jouer. Alors, par contre, je vais revenir sur mes. Attends, par contre, j'ai envie de voir comment les gens sont en train de péter un câble sur les. Voir un peu ce qu'ils disent dans les commentaires. Ouais. Le second, du coup, je disais, le Risen Monster, ça va sûrement être. Alors, c'est un des deux, soit Risen Vel'Kanna, soit Shagarumagala. À mon avis, ça va être Shagarumagala. Je vois pas quel autre dragon ancien peut être Risen. Je vois pas Ibushi et Narwa et se faire Risen. Et on n'a pas d'autres dragons anciens dans le jeu. Il y en a qui. Ah oui, Malzeno!
J'ai oublié. Donc ça, ouais, ça sera sûrement mal Zeno en vrai. Mais putain, j'avais oublié. J'avais pensé à ça du coup. On aura sûrement une version de mal Zeno boostée, genre Risen de mal Zeno. On verra ce que c'est. À mon avis, ça va être Risen de mal Zeno. 90%. Je pense pas que ça va être comme la Title Update 3 où on a eu deux Risen, deux dragons anciens Risen avec Kushala et Teostra. À mon avis, ça va être juste un seul cette fois. Et ce seul, ça va être Malzeno. Un peu dommage, j'aurais bien voulu voir ce que un Risen Chagarousse nous donnera. Ou un Risen Volcana aussi. Donc, je vous répète mes prédictions. Ça va être Risen. Du coup, Risen Malzeno. Une version boostée de Malzeno. Peut-être pas Risen. Et en second, du coup, bah, le monstre principal, ça va être Amasu 100%. Et tout ce truc-là, ça va se passer dans Rise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, ils avaient posté des histoires. Des histoires de certains personnages. Et on sait que. On sait que le village de. Comment s'appelle? Yomogi? La meuf qui fait des dangos là dans le village de Kamura. Attendez, excusez-moi. Merde. C'est bon. Le village de Kamura, en fait, sa ville. Sa ville d'origine, c'était genre la citadelle. Il y a un monstre qui a détruit la citadelle et ce monstre-là, ça va être. Ce monstre-là, il a été décrit comme genre une calamité de la tempête ou un truc du genre. Pour moi, ça, c'est 100% Matsu. J'allais dire, ça va être 100% Matsu. C'est pour ça que je pense à Matsu, d'ailleurs. Il y a quoi d'autre? Ah oui, bah, vous voyez là la date, là, il y a marqué la version pas PC, la version Windows et. Ah oui, c'était Windows? Non, c'était genre PS4 et Xbox. Elle sort le 28 avril. À mon avis, ça va être le jour de la sortie. Oh, j'adore cette musique. Ça va être le jour de la sortie de la Title Update. Comme ça, ils sortent la dernière Title Update en même temps que le jeu entier sur PS4 et PS5 et Xbox et tout. Au moins, ils sortent tout d'un coup et ils n'ont pas à faire de mise à jour sur les versions PS4. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des gens qui ont théorisé que ça serait pas la dernière Title Update. Malgré que le fait que sur la roadmap on voit qu'il n'y a plus de title update, il y en a qui pensaient qu'on aurait une 6 ou une 7. À mon avis, celle-ci, ça va être la dernière. Ça va être la dernière title update, genre la finale de Rise. Et on aura sûrement. Amatsu, ça sera sûrement un monstre ultra dur, genre un peu comme Fatalis dans Iceborne. Un truc du genre. Enfin, même si avec les mécaniques de Rise, je vois pas comment comment ils peuvent faire un Amatsu plus dur que Fatalis, ou au moins aussi dur que Fatalis. On verra ce que ça donne. Il y a quoi d'autre que je voulais parler? Je crois que c'est tout. Ah oui, ils ont annoncé un nouveau Monster Hunter là. Monster Hunter Now. Genre un Pokémon Go Monster Hunter. Je me suis inscrit à la. À la. Comment ça s'appelle? D'accord, finesse. À l'essai là. Bon, peut-être que je me ferai sélectionner, on verra. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, n'hésitez pas à, je sais pas moi, à liker la vidéo. J'en sais rien, je demande jamais. À liker, à vous abonner, j'en sais rien. Je le dis jamais dans mes vidéos. C'est sûrement pour ça que je me traîne à 40 abonnés depuis 2 ans. Mais bon. Ah oui, d'ailleurs, un peu spécial. Je suis pas l'habitude de faire une vidéo dans ce genre-là. Or, je mettrai en plein écran la vidéo, elle va commencer. Je vais aussi remonter le son. Normalement, là, vous avez le son assez bas. Bon, bah, j'ai plus rien à dire en vrai. Allez, on se retrouve dès que ça commence. Ok, on y est. Le dernier countdown. Ils vont sûrement nous envoyer un trailer en commençant, on verra ce que ça donne. Je crois un trailer là, commencer avec un trailer. Happy ending. Ah oui, je regarde celle en anglais. Me demande s'ils vont nous lâcher comment ça s'appelle, genre une espèce de montage un peu nostalgique, comme ils avaient fait avec moi avec le dernier trailer de Monster Hunter World, Iceborne. Ce serait vraiment cool.
Ok. Boom. Hello, dear. Ah oui, c'est vrai. Long time no see. C'est genre c'est Fury. In today's digital event, I will be sharing some info on Title Update 5, version 15. And since this was a request from Elder Fugan himself, I'm hearing un peu cringe. On verra ce que ça donne. All the way from Elgato, raring to go. But something seems off. Qu'est-ce qui seems off? The Elder is nowhere to be seen. Hein? Did something happen? Okay. D'accord. What is this wind? Le vent. Merci. No, it couldn't possibly be. C'est pas Yoshi. C'est un Matsu, les gars. Matsu, donnez-moi un Matsu. Oh putain. Oh là là, attends, ça commence. Je suis un peu trop excité là. Oui, ça va être 100%. C'est, ouais, c'est la suite de l'histoire. Oh, il est là. Ah, Matsu, il est là. Oh, il est là, yes. Oh putain, il est magnifique. Oh, Matsu. Oh, la musique. Oh, la musique. Oh wow. C'est quoi ça? What the fuck? Oh là là, oh il est magnifique ce con. Putain Kagero. Il est magnifique Amazon. Risen Sagaru. Risen Sagaru, ok. Oh wow. Ok, je m'y attendais un tout petit peu. Oh putain, rigole zéro. Oh, ça va être un fight de fada ce coup-ci. Rizem Shagar Magala. Spécial investigation. Ah oui, ça c'était le nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, des monstres encore plus durs. Ok. Ah, le buff body qui revient. Ah, c'est la nouvelle celle-ci. La nouvelle event. Ouais, attends, double scorn, New Furore. Alors, ça c'est les nouveaux DLC payants. Donc ça c'est pas gratuit. Amatsu ? Non, Le mode dragon du Amatsu ? Farewell and stay safe. Wow, il rigole zéro. Ok, c'est le 20 ? Le 20 ? Comment ça le 20 ? C'est demain ? Je pensais qu'ils allaient tout sortir en même temps avec eux. Avec la version de Sunbreak. Why I was feeling so restless. The villagers are trying to fight off an Amatsu. Quoi? I hope they are all safe. Let me everything I can. J'adore la musique de l'Amatsu. Alors faut voir ce qu'ils disent. Known as the looming calamity. Ouais. This elder dragon can control the weather at will. It is commonly known as Amatsu. Wow, ça va dire, il est pas mal. Le voilà, Amatsu. Oh putain, il utilise l'électricité maintenant. Et puis, il utilisait que l'eau avant. Maintenant, c'est un monstre d'eau et d'électricité. Oh, cette attaque, elle est trop cool. I've also received reports of a risen elder dragon, Shigaru Magami. It's used its overwhelming power to dominate the Kyurien. It should prove every bit as relentless as the other risen elder dragons. Take caution and prepare well for a difficult fight. Pour rien du tout pour animal, Amatsu will be available at MR 10 or higher, and risen Shigaru Magala at MR 180 or higher. You will also be able to forge new equipment from their materials. Oh, il est magnifique, there are even some new skills to be gained, so it is worth the effort for sure. Oh, la gueule de l'armure, elle est pas mal. Oh, anomaly research. Oh, ils vont sûrement mettre Crimson Glova Strax dans les anomalies. Anomaly ils rajoutent aussi un Shagaru direct. And the anomaly investigations level cap will be raised to 300. 300. There's a nice update to the melding pot as well. 300. A new feature called Curious melding will be added. It allows for even better melding using afflicted materials. This should make your skill customization a lot easier. C'était un 2-3 slots? C'était quoi ça?
A new quest type will be added for experienced hunters. They're called special investigations. C'est quoi ce truc? Special investigations feature monsters with a variety of powers, such as increased strength and wider breath attacks. Okay, change un peu de mouvement. These are the toughest versions of these monsters you'll face. To unlock a special investigation, you need to complete an anomaly investigation at level 300. Okay. But beware, these quests are not for the faint of heart. 300, je joue au niveau 130, je crois. J'aime pas de l'armure. Make sure you don't miss out on this valiant looking armor forged by the best blacksmiths of both bases. Comment il fait des mix d'armure? Ah oui, le buff body qui revient. An immaculate muscular masterpiece. I'm sure Jay elle will love this. Elle était super populaire dans World, celle-ci. Il y a tout le monde qui l'a noté dans Center World. Are these Legombi ears? Surveille de la Gombi, d'accord. Oh, I've wanted a pair of these since forever. Oh, they're just so gosh darn cute. With these, I could hop about the hunting fields without a care in the world. J'ai jamais vu faire ça dans le jeu, la Gombi. Very well. From now on, I shall stick to the script that Guildmaster Hojo wrote for me. Il reste des trucs. I guess I'm supposed to speak all fancy now? Qu'est-ce qui se passe? Eh non, non. Fio Radio. Quoi? The song playing now is called Beyond the Endless Deep Blue, chill version, part of the Monster and Elgato Music chill version. Ah d'accord, les amis. BGM. D'accord. An excellent piece to relax and study to. As cherry blossoms start to fall, la musique elle est cool. It's time to show you the new lineup of AD&C. Sûrement la télécharger. Enfin, non, je vais pas l'acheter, mais je vais la télécharger pour mon tel. We'll add layered armor, hunter voices, face paint, hairstyles, special stickers, and even a new costume set. On verra ce que ça donne. I'll highlight a few of the new items here for you today. We've got a set of special stickers that have been growing in popularity lately. Apparently, they were drawn by Minato herself. I recommend you use them together with her layered armor, available since version 14. Ah ouais, cette armure là. Now, some news from Elgato Studio. The voices of Sir Jay and Aboro the Merchant will be available as paid DLC. J'espère que je pourrai sortir la vidéo aujourd'hui quand même. And Oboro the Personification. J'ai pas sorti de vidéo sur Monster Hunter Rise, je sais pas si je vais en sortir. They couldn't be more en tout cas, pas pour l'instant, c'est sûr. Je le dis, je suis encore en pause jusqu'à que mes examens finissent, en tout cas. From Elgato's genius scientist. C'est quoi ça? C'est ça, vous? Sup, everybody. Y'all like my do? Well, now you can totally copy it if you want. Ah oui, c'est... Thanks for those words of wisdom, Mr. Genius. Okay. May your hairstyle be as popular as your personality. Time to wrap things up. While relaxing to legends of ages past. Quoi? Chill version. Until d'accord. Next time. Okay, see you soon, break. Non, non. C'est quoi cette version? La fille, ouais, mais de quoi? C'est fini? C'est la fin du trailer ou? Let's go over everything one okay, more merci. Time. Free title update 5, version 15, is releasing on April 20th, 2023. Bon, vous êtes sûr que demain, j'ai pas de nouvelle vidéo? It will introduce ce truc. And Risen Shigaru Magala, as ouais, well as several Shigaru updates aussi. To anomaly research content. Comment ils vont lui foutre les talents d'armure de... And free event quest. De so I hope you look forward de... to the Risen Shigaru. Monster Hunter Rise is also available. Ouais, c'est à cause de cette version-là, je me suis dit, c'est pour ça, ils vont la sortir la 28. Mais non, ils la sortent demain. PlayStation 5 and PlayStation 4. And the massive expansion, Sunday, will release on April 28th. At launch, it will include all content up to version 13. Version 14 and onwards will be available after summer 2023. J'espère vraiment qu'ils vont rendre les investigations plus simples. Enfin, le niveau d'investigation plus simple à monter. Parce que niveau 300, putain. I cannot believe. Déjà 220, c'était abusé.
We must stop it from annihilating the village. En plus, il a l'air d'avoir des salles cinématiques là avec Kagero et tout. Kumura Village is in need of your help once again. Ça a l'air intéressant. The lives of the villagers are in your hands, the fierce. Je pensais qu'elle avait plus longue la présentation, mais non. Aïe, attends. En juin 2023. Non, c'est pas fini. Non, il y a une title update 6. Something's off. C'est un nouveau Malzeno, un nouveau monstre. Sunbreak. Oh, le dernier, c'est la dernière title update. Bonus update, quoi? Attends, quoi? Ah, mais bien sûr, on va pas savoir. Ils nous disent quelque chose dessus? Une variante? Bon, ça va être Malzeno. 100% c'est une variante de Malzeno. Ok, la splash. Il est stylé, c'est le splash screen. Ok. Vu, il est stylé. Bon, les gars, je suis excité. J'avais tout prévu. Au final, Malzeno, on aura l'approche à une nouvelle title update en juin. En juin. C'est fini, j'imagine. Ah ouais, attends. Bon. Laisse-moi voir ce qu'ils disent, là. Ouais. Ici votre capitaine. C'est fini. Ok. Bon, ben, merci d'avoir regardé. On se retrouve... On se retrouvera un jour, quand je reviendrai. Allez, ciao.